Nicole Favry, architecte et commissaire d'exposition. Je suis aussi project manager de la prochaine édition de la Biennale du Caire 2015, qui est une biennale internationale d'art contemporain, où on va représenter plusieurs artistes à l'échelle internationale et locale. Le fondateur de la Biennale, c'est Mataz Nasr, qui est artiste et fondateur du Centre culturel d'Alp 1718. On a aussi invité, en tant que commissaire principal de la Biennale, Simone Jami, qui est aussi directeur artistique de la prochaine édition de Bamako, la Biennale de Bamako. La Biennale, elle consiste en fait en la participation de 110 artistes internationaux et locaux qui sont dirigés par des commissaires d'exposition à l'échelle internationale. On est 8 en tout. Donc moi, je suis aussi commissaire d'exposition du pavillon tunisien, vu que la Tunisie est invitée d'honneur cette année. Donc durant cette Biennale, il y aura, qui dure du 28 novembre au 28 décembre, il y aura énormément d'événements très diversifiés, des débats, des performances, des ouvertures d'exposition, du cinéma, de l'installation, tout ce qui est en relation avec l'art en général. Et pour cette édition, comme je l'ai dit, à la Tunisie invitée d'honneur, donc on aura une sélection d'artistes tunisiens qui présenteront différentes œuvres. Il y aura Hela Amar, Sofia Barakat, Sabri Ben Blouka, Noutail Belkadi, Mouné Jmal Siela, Rojdi Belgesmi. Eux, en fait, qui font partie du pavillon tunisien, mais il y a aussi une journée dédiée au cinéma tunisien où on va présenter 5 courts-métrages tunisiens. Donc il y aura Père de Lotfi Achour, il y aura Pousse de printemps d'Antissar Belaïd, il y aura Rasra de Jamil Najjar, il y aura Et Roméo a épousé Juliette de Hind Boujemaa et 44-66 de Fahd Chebbi. Toute la biennale dure sur un mois. Il y a des événements tous les jours sur les 10 premiers jours et après c'est un peu dispersé jusqu'à la fin du mois, mais toutes les expositions durent jusqu'à la fin du mois. Il y aura une conférence de presse à l'échelle internationale qui va être au Caire le 28 et des débats sur la culture en général dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique du Nord.